Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine par signe astro. Pour nos signes de feu, bélier, lion, sagittaire, semaine du 3 au 7 octobre 2022. Première semaine du mois d'octobre. Alors on va découvrir avec monsieur Augure Blanc les messages, conseils ou mise en garde du lundi au vendredi. Quel message nous avons à recevoir? Nous irons prendre deux énergies principales avec le téléma pour voir un petit peu quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner pour cette semaine, qui vont être présentes. Et on regardera avec le petit Lenormand deux cartes pro, deux cartes finances, deux cartes sentimentales, deux cartes imprévues, surprises, relationnelles. Voilà, et on terminera avec trois cartes de Monsieur Béline. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, amis Bélier, Sagittaire et Lion. Voyons voir un petit peu pour votre semaine du 3 au 7 octobre à partir de notre lundi. Alors, lundi, nous avons mugoté, courtisé, avoir des propos galants. Avec Monsieur Mugoté pour lundi, on va dire qu'il va y avoir peut-être un effort demandé, un effort intellectuel. Ou bien vous allez avoir une émotion particulière qui peut survenir dans cette journée. Il semblerait que vous allez peut-être faire l'objet d'attention particulière ou de compliments particuliers. Ou bien c'est vous-même qui allez faire un pas vers quelqu'un aujourd'hui. Avoir des propos galants, avoir une gentillesse, avoir une attention particulière pour notre journée du lundi. Mardi avec tabarin, bouffon, farceur. L'heure, elle est plutôt à la détente hein, quand on tombe avec monsieur tabarin. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça va être la journée de l'humour, la journée des moments légers, la journée... écoutez, rien ne vous empêche de vous réunir avec quelques gens à l'improviste. Même s'il n'y a rien de programmé, monsieur tabarin, il vous dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment de faire une blague, ou on va vous en faire une d'ailleurs. C'est le moment de raconter des histoires drôles, c'est le moment peut-être de vous réunir en famille, en amis, pour fêter quelque chose. Pourquoi pas? Mercredi, nous avons Obéré. Obéré, il va nous dire de faire attention aux finances. Avec Monsieur Obéré, il faut garder, ce qu'il vous dit surtout, c'est de garder une trace écrite à toute transaction que vous allez faire aujourd'hui, transaction financière. Il faut absolument garder des traces. Peut-être qu'il va être question aujourd'hui, il va être question de finances aujourd'hui. Alors, évidemment, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être qu'il est aujourd'hui bon d'éviter d'aborder des sujets sérieux concernant les finances et de les reporter. Par exemple, on signe peut-être rien aujourd'hui, on fait attention, on ne rend pas de décision hâtive aujourd'hui, on attend peut-être demain. Il est question également d'une somme d'argent qui, si vous l'avez été prêtée, aujourd'hui, elle ne sera jamais rendue. C'est le conseil qui vous est donné. D'être très vigilant concernant vos finances aujourd'hui, mercredi. Alors, jeudi, jaboté. Alors, jaboté veut dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir envie de raconter tout et rien. Vous allez avoir envie de discuter sur tout et rien. Bon, quelquefois, ça fait du bien, hein, pourquoi pas. Mais par contre, attention, parce qu'on peut peut-être raconter sur vous également. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pourrait bien stopper vos envies de cancaner. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez être l'objet de cancan, drago et de commérage. Faites attention autour de vous à toutes ces petits poules et coqs aujourd'hui autour de vous. Vendredi, veille du week-end, Avani. Alors, je l'aime beaucoup avec ses petits pistolets Avani. Mais Avani, elle nous met en prudence. Sachant que j'aime bien quand on la tire le vendredi, en fait, l'effet est atténué. Bon, déjà. Ou alors... même si on essaye de vous mettre dans une situation difficile,
On essaye de se moquer de vous juger, ou même en votre présence, d'essayer peut-être de rabaisser ce que vous dites ou ce que vous faites aujourd'hui. Comme c'est atténué, vous ne relèverez pas l'affront. Vous allez laisser couler, vous voyez? Parce que vous allez peut-être avoir la désagréable impression vraiment d'être jugé aujourd'hui. Bon, eh ben, laissez faire les choses, tout simplement. Ne les relevez pas. Voilà, très beau conseil d'ailleurs. Bien, eh bien écoutez, nous allons regarder maintenant quelles sont vos énergies principales présentes pour cette semaine. Pour nos béliers, sagittaires, lions, pour la semaine du 3 au 7, quelles sont les énergies principales qui sont présentes pour nos béliers, lions, sagittaires? Alors. Oula, attention, attention à une femme qui peut pas être honnête avec vous. Attention à ces gens, éventuellement à une trahison, hein, peut-être par Internet, par rapport à des connexions, qui peut vous ne pas être très honnête vis-à-vis de vous sur un succès, une réalisation à laquelle vous tenez. Faites attention à la trahison. Autour d'enfants, vos enfants, autour de vous, ou bien peut-être que vous avez envie de démarrer quelque chose et vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous peiner. Ça peut venir d'un enfant, ça peut venir d'une nouveauté, de quelque chose qui démarre par mail, par info. J'ai l'impression que les émotions sont présentes cette semaine. Et peut-être aussi d'apprendre, de découvrir quelque chose. Alors. Nos signes de feu. Nos signes de feu. La santé peut-être est un petit peu mise à mal et au centre de votre préoccupation cette semaine. Vous êtes peut-être, vous vous sentez acculé, bloqué, vous vous sentez fatigué. Est-ce que, voilà, alors ça peut être en fonction de la santé purement, mais ça peut être également au niveau projet. Au niveau sentimental, vous pouvez vous retrouver, avoir le sentiment d'être dans une impasse. Ou au niveau de vos projets, avoir ce sentiment d'être bah, bloqué. Bon, voilà, c'est peut-être très présent en vous, hein, là. Ce mot, il nous dit que si vous attendez une réponse, ben, peut-être que c'est bloqué, ça ne vient pas. On voit quand même que vous allez avoir peut-être besoin de poser les choses et besoin de repos. Peut-être des choses qui ont du mal à avancer là, dans vos projets. Alors, ça veut tenir ou pas? Bon, allez, hop. Alors, on va regarder. Pour notre semaine du 3 au 7, pour nos béliers, sagittaires et lions, nos signes de feu qui se sentent peut-être un petit peu, on va dire, fatigués mentalement, physiquement cette semaine. Alors, vous avez envie d'une certaine tranquillité, de paix, d'harmonie, mais il est question de grossesse pour certains. On peut expliquer le côté fatigue. Hein, physique pour les personnes évidemment qui veulent un bébé, qui veulent un enfant. Il est question de déménagement, il est question de changement qui peut être acté très officiellement d'ailleurs. Hein. C'est présent chez vous. Alors, vous avez eu des documents à ce propos. Voilà. Qui vous font peut-être un petit peu peur. Ce changement vous fait peur. Des courriers arrivent. Attention, cela sans doute aussi est en rapport avec le financier, est en rapport avec une transaction. Il y a un certain conflit et on retrouve ce mot. Hein. En fait, vous vous sentez dans une impasse là concernant un changement par rapport à des infos que vous attendez qui ne viennent pas sans doute d'une autorité, de quelqu'un d'officiel. J'ai l'impression que ça ne va pas dans le sens où vous voulez, ça vous travaille. Hein. Il y a du courrier qui arrive qui va être un petit peu conflictuel pour vous là. Alors, deux professionnels, deux financières, deux sentimentales,
et de synthèse, surprise, l'inattendu, le relationnel. Hop. Alors, nous avons toujours cette autorité. Ce lys, ça peut être une autorité, ça peut être un homme officiel, ça peut être un médecin, homme officiel, hein. Ça peut être un médecin. Il y a aussi que vous faites preuve, vous, elle indique que vous pouvez faire preuve d'honnêteté, de simplicité, de loyauté, bien entendu, hein. Mais on a vu tout à l'heure que par rapport à des nouvelles qui vont vous arriver d'un domaine très officiel ou des domaines médical, par exemple, ça peut être un compte-rendu médical, il y a un petit souci derrière. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi un petit souci d'ordre sexuel. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une impasse par rapport à ça peut être des projets, par rapport à, ça peut être sentimental, ça peut être dans le travail également. Hein. Mais c'est vous, ma consultante, hein, qui êtes là. Et on voit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin... Voilà, c'est peut-être la santé, comme je le disais, qui est un petit peu mis à mal. Pour certaines autres personnes, ça peut être avec des bâtiments publics, l'autorité, la hiérarchie, donc dans le domaine professionnel, ou pas que, hein, tribunal, jugement. Il y a un certain blocage par rapport à des infos qui arrivent. Ça peut être la partie adverse aussi, hein, qui vous met à mal. Alors, professionnellement, il y a quelque chose qui s'arrête pour certains. Là, on ne va pas se mentir avec ce renard. On est dans le professionnel, carrément, bien entendu. Et on voit très bien qu'avec ce cercueil, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être subi ou voulu, comme je dis toujours. Hein. Peut-être que c'est vous qui décidez d'arrêter, de mettre un terme, hein, tout simplement. Hein. On voit aussi que... est-ce que c'est vous qui démissionnez ou il y a un renvoi? En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement au niveau professionnel pour certaines personnes. Activité, hobby, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui prend fin aussi, qui s'arrête. On va voir tout à l'heure si c'est voulu, subi, voilà. Pour moi, pour l'instant, il y a vraiment quelque chose, il y a un terme au niveau professionnel, activité. Les finances sont réjouissantes. C'est lumineux. C'est ensoleillé et il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Au niveau des finances, on est sur quelque chose de beau là. Alors, il y a peut-être une rentrée d'argent qui fait que c'est lumineux, c'est flamboyant. Il peut être aussi question d'une nouvelle source de revenus si quelque chose s'arrête là d'un côté et que c'est pas subi mais voulu. On peut retrouver ici une rentrée d'argent, une nouvelle source de revenus, en tout cas peut-être différemment. Avez-vous peut-être changé de travail? Travaillez-vous différemment, autrement? Voyez un peu comment ça vous parle. Hein. Il peut y avoir en tout cas de la communication, beaucoup de communication et d'échanges concernant le financier. Sentimentalement, quelque chose s'arrête aussi pour certaines personnes. Beaucoup de stress parce que on coupe, parce que on arrête. Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde hein, qui vont rompre. En tout cas, pour certains d'entre vous, votre relation vous préoccupe. Pour les couples, pour les célibataires, il y a une grosse inquiétude sur votre célibat. C'est ce que l'on peut voir. Vous êtes de toute façon perturbé, ça c'est clair. Alors, après, les célibataires, vous avez envie de couper votre célibat. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Hein. Les couples, j'ai l'impression quand même qu'on va vers, pour certains, une rupture. Il y a quelque chose qui s'arrête. On va approfondir après, bien entendu. Alors, la surprise, l'inattendu, le relationnel, c'est que vous avez peut-être un ami qui, en fait, va vous, comme je dis ma phrase toujours, vous la faire à l'envers. Il y a une trahison, un ou une amie. Moi, je dirais que c'est une. Il y a quelqu'un. Ou alors, vous avez un ami autour de vous qui va être trahi par une femme. Mais en tout cas, il y a de la trahison, là. Quelque chose qui... Pourtant, il y avait une bonne amitié. Il y avait quelque chose de beau. Hein. Mais, eh ben voilà, patatrac, il y a un ami manipulateur. Là, il y a une trahison. Autour de vous, en tout cas. Alors, on peut peut-être le retrouver dans le domaine sentimental qui expliquerait que quelque chose s'arrête, est coupé. Il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Ça peut être aussi ce côté trahison professionnelle puisque là aussi, nous avons
quelqu'un qui arrête quelque chose. Il y a peut-être certains béliers, sagittaires, lions qui passent différemment à autre chose, hein, qui stoppent les choses. Et en fait, au lieu d'être bloqué avec cette montagne, vous avez simplement dépassé les obstacles et passé à autre chose. C'était un gros obstacle, hein, évidemment. Mais vous avez passé, vous passez à autre chose et vous retrouvez un certain calme, un certain bien-être. Vous souhaitez vraiment changer. Pour certains, vous peut-être avez-vous décidé de changer de vie. Alors, on va recouvrir tout ça, hein, parce que là, on a besoin d'autres infos. Ami Bélier, Sagittaire et Lion. Alors, semaine du 3 au 7 pour nos signes de feu. Alors, de professionnel, finance, sentimental, relationnel. Ah, bon, elles ont voulu finir. Très bien. Vous voyez, on retrouve la tristesse au dos, un sacrifice, une lourdeur. Bon, écoutez, je pense que ça va être... alors, si c'est subi, vous allez rebondir. Si c'est voulu, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui vous met en joie, parce que ce bouquet nous annonce bien un renouveau, quelque chose en fait de vous passer à autre chose, peut-être que vous fêtez, hein, d'ailleurs. Vous fêtez ce fait que ça s'arrête, que quelque chose s'arrête enfin. C'était peut-être lourd pour vous, hein, d'ailleurs. Hein. Et je pense que vous avez appris. Il y a peut-être aussi... quelque chose qui prend fin dans le sens où vous avez enfin appris quelque chose qui vous permet, eh ben, peut-être de sceller un accord qui est peut-être secret, qui est différent, hein, tout simplement, qui ne regarde que vous et une tierce personne. J'ai l'impression qu'il y a comme si on vous félicite d'avoir gardé un secret, d'avoir caché quelque chose. Vous voyez un peu comment ça vous... ça résonne en vous. Mais en tout cas, ce bouquet, il nous annonce qu'il y a quelque chose d'harmonieux qui est là par rapport à quelque chose qui était, on va dire, caché, mais qui va être relevé. On y met un terme. Hein, on relève quelque chose qui était caché. On le met au jour, en fait. Hein, et c'est une réussite, hein, qui se passe. Alors, les finances. Eh, c'est beau, les finances. Vous avez la solution dans vos mains. La solution, elle est trouvée financièrement avec une rentrée d'argent qui est là. On en discute beaucoup. On va pouvoir se projeter d'ailleurs. Beaucoup d'échanges internet également, de mails. En tout cas, il y a une très bonne connexion. Vous allez pouvoir vous orienter autrement là. Vous avez de l'espoir financier. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Vous allez certainement rattraper une certaine sérénité avec... avec le côté sur le côté financier, un certain calme. Évidemment, quand les finances vont bien, forcément, on se sent, on va dire, un petit peu mieux. Hein. Il y a une grande réussite financière là qui est opérée pour vous. Alors, j'ai l'impression, est-ce que par rapport à ce professionnel, cette activité, voilà, quelque chose est mis à jour, est relevé, un grand bonheur et ça occasionne une rentrée d'argent où il est question d'argent. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a une belle orientation là. Il y a un franc succès. On se retrouve serein au niveau financier par rapport à des solutions, à des échanges, à un certain succès. Alors, sentimentalement. Il y a quelque chose de lourd hein, pour certains, pour certaines personnes, sentimentalement. Les célibataires, vous avez envie de démarrer une relation, mais qui va couper court. Alors, pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir un conflit, une dispute. Pour certains,
Le danger dans une nouvelle relation qui va démarrer, c'est qu'elle va être basée que sur le charnel, en fait, que sur le sexuel. Il y aura, voilà, il n'y aura pas de, il y aura pas de sentiment. En tout cas, il ne faut pas attendre de la part de la tierce personne à ce qu'il y ait du sentimental. Là, on est vraiment plutôt dans le charnel, hein. Peut-être aussi, il y a un stress qui se prolonge pour certains, dû en partie à une séparation qu'il y a eu qui s'est pas bien passée et ce fait qu'on a un petit peu du mal à se relever. Vous voyez un petit peu si ça, comment ça vous parle. Vous avez une certaine difficulté à vous remettre, je pense, d'une dispute soudaine qui a eu quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Alors, ça peut être valable aussi pour les couples, hein. Peut-être une dispute qu'on ne voit pas arriver, qu'on ne voit pas venir. Alors, j'ai envie de dire attention, il faut du dialogue parce que il y a quelque chose de lourd qui vous arrive là sur lequel vous étiez fortement attaché et patatrac. On a une dispute, on a quelque chose qui peut aller quand même, qui peut être assez violent. Hein. J'en remets une parce que nous avons beaucoup de, nous avons de l'émotion évidemment, hein, sur quelque chose de très lourd par rapport à une situation sur laquelle on s'est attaché. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas arriver. Ah, ça peut être une dispute à cause d'un enfant. Alors, si c'est, par exemple, ben, dans le couple, hein, l'enfant de l'un, de l'autre, ou votre propre enfant, il peut y avoir émotionnellement également, si vous démarrez une nouvelle relation, elle peut couper court, elle peut tourner court. Hein. Les couples par rapport peut-être à quelque chose de nouveau, de naissant, de... Bon, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui va faire que émotionnellement, sentimentalement, il va y avoir un moment assez difficile à passer là. On est vraiment dans la, dans le conflit émotionnel, aussi bien célibataire que pour les couples. Alors, l'inattendu. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. S'il y a, comme on le voit là, les conflits, quelque chose, on va dire, de négatif dans le domaine sentimental, vous êtes déjà au courant, hein. Simplement, voilà. Mais pour les autres, on peut voir que vous démarrez, si vous démarrez une nouvelle relation, évidemment, vous êtes peut-être attaché très vite, mais il peut y avoir énormément de stress, bien entendu. C'est quelque chose qui démarre tout de suite, ça fait peur, bien entendu, c'est rapide. Ça peut être basé sur le sexe, mais également, ça démarre fulgurant et ça fait peur. Alors, émotionnel, l'imprévu, le relationnel, attention à la trahison d'un ami, d'une amie, concernant donc du changement, très officiel, des nous avons du courrier là qui arrive. Hein. Alors, attention, prudence pour, autour de vous, concernant un changement, peut-être avec une personne plus âgée que vous ou pour vos parents. Il y a des infos qui arrivent là, mais il y a des infos, on va dire, pas très gentilles. Il y a quelque chose qui peut être en relation ou avec vos parents. La figone, le lys, voilà, la maman, ça peut toucher le domaine familial. Ça peut toucher vous quelque chose qui est proche, avec quelqu'un qui est proche de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Il y a un événement qui n'est pas honnête autour de cette personne concernant un changement, quelque chose d'acté officiellement, par exemple, un déménagement, un changement quelconque pour cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui était peut-être attendu depuis longtemps, mais il y a un courrier qui va arriver là. Et autour de tout cet événement, il y a quelqu'un qui joue un double jeu. Il faut être extrêmement prudent. On peut, pour certaines personnes, il peut être question aussi d'une grossesse tardive. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Un âge, on va dire, où ça va demander d'être prudent, d'être bien, bien suivi. Alors, on peut aussi voir qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, bien entendu, concernant justement un contact, un changement. Ou certaines personnes vont-ils pas faire des démarches de contact pour louer quelque chose?
voyez un peu comment ça vous parle. Mais prudence avec cette personne qui est là derrière, qui va essayer quand même de manipuler tout ça, de vous manipuler, de manipuler cette personne qui a l'air d'être, qui est proche de vous d'ailleurs, qui est loyale, hein, pour cette voilà. Mais ça peut être aussi votre conjoint, hein. On voit qu'il est question de changement, on voit qu'il est question d'officialiser quelque chose. C'est peut-être un changement qu'on attendait, que vous attendiez depuis longtemps, hein. Les nouvelles arrivent, elles sont là, bien entendu. Ça concerne forcément ou le changement, le déménagement, ou des nouvelles, comme je le disais, d'une grossesse tardive, hein. C'est peut-être une grossesse aussi tardive de quelqu'un que vous ne portez pas forcément dans votre cœur. Il peut être autour de votre chéri d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui ne lâche pas votre chéri aussi, hein. Voilà, voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Voilà les amis, que l'on peut voir pour votre semaine, qui est, ma foi, bien mouvementée. On va voir un petit peu avec Monsieur Bellin ce que l'on va retrouver. Alors, après, on voit dans votre jeu qu'il est beaucoup question de changement, d'évolution, de transformation. Ça peut ne pas plaire à tout le monde et ça peut éventuellement ne pas plaire, j'ai l'impression, à une personne qui est de l'entourage de votre ami, de votre chérie, d'une personne pour lequel qui compte beaucoup pour vous. Allez, semaine du 3 au 7. Semaine du 3 au 7 octobre. Ah, ah bah, vous voyez, nous avons de la méchanceté qui traîne autour pour cette semaine, amis Bélier, Sagittaire et Lion. Alors, bon, et c'est une femme, ou c'est pour vous, ma consultante, ou en tout cas, une femme proche de vous. Allez, hop, à la coupe, 3 au 7 octobre. Bon, les honneurs, c'est pas beau ça. Ah, vous risquez d'avoir une invitation. D'être invité, alors, pour démarrer quelque chose, ou c'est une nouvelle invitation, ou bien une grossesse aussi, hein. Alors, on vous demande d'avoir l'intelligence. Vous allez avoir l'intelligence, d'ailleurs, c'est peut-être une invitation dans une maison de campagne, dans un petit foyer. Et regardez ça, la réussite. Vous allez avoir la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Donc, c'est beau ça. Même s'il y a un petit peu de méchanceté et de jalousie, hein, vous réussissez, c'est le principal. Alors, Monsieur Bellin, waouh, procès, discussion vive. Oui, ça peut, effectivement, on l'avait vu tout à l'heure, je crois, dans le dos de deck. Hein, discussion vive, dispute, conflit, procès, bon. Sur quelque chose, et oui, des discussions vives, quelque chose qui va arriver d'un coup, ou un procès. Sur quelque chose pour lequel vous vous sentez fortement attaché, ou vous étiez attaché, hein, et les ennemis sont là. Alors, il peut y avoir effectivement, pour ceux qui, vous êtes, pour ceux qui sont en jugement, en attente d'un jugement, il peut y avoir, avec la partie adverse par exemple, un problème. En tout cas, là, on voit qu'il y a peut-être des discussions vives, des disputes, un procès, dans le sens où on l'entend, sur quelque chose qui vous bloque pour l'instant, hein, et on voit bien les ennemis qui sont là. Ça peut être en rapport avec la famille ou alors en rapport avec l'héritage, l'argent familial en tout cas. Quelque chose pour lequel vous étiez fortement attaché ou qui vous attache, qui vous bloque. Hein. Bon, vous avez les plaisirs par-dessus. Hein. Et les ennemis, par un heureux hasard, vont vous fiche la paix. Et ben voilà, vous allez en avoir la paix. C'est pas beau ça? Alors, on voit bien, effectivement, des tensions familiales. Hein. Concernant l'argent, l'héritage, c'est toujours en rapport avec l'argent, hein, un héritage purement, comme on le voit, ou bien en rapport avec l'argent, hein, quelque chose qui vous attache, qui vous bloquait, qui vous coinçait peut-être. Hein. Bon, ça va s'arranger parce que vous allez en avoir les plaisirs. Hein. On voit bien les ennemis qui sont là, mais de toute façon, par un heureux hasard, eh ben, vous allez avoir la paix. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parlera.
Merci, en tout cas, pour vos pouces, j'aime. Merci d'être fidèle sur ma chaîne, de me suivre régulièrement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.